chez leur dentiste. Ah, c'est bien, elle. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dentiste des dents. Dentiste des dents. D'accord, non. Systématiquement, dans une soirée, à un dîner, quand je dis que je suis dentiste, les gens, je sais pas pourquoi, se sentent toujours obligés de me raconter leurs problèmes dentaires. Disons que moi, je serais pas une bonne cliente pour vous. Je veux dire, j'ai pas beaucoup de problèmes, hein. Enfin, un petit peu quand même. Docteur, je préfère encore accoucher, docteur, que de me faire soigner les dents. Mais disons que ça me travaille pas, voilà, ça m'empêche pas de vivre. Certainement pas de rire, en tout cas. De la FNAC, mais pas bien du tout, hein, mais vraiment mal à l'aise. Mais le mec derrière moi, lui, super décontracté. Moi, j'étais pas bien du tout, lui, super à l'aise. Qu'est-ce qu'il avait sous le bras? Le sexe pour les nuls. Et à un moment donné, il me tape sur l'épaule. Et moi, comme ça, pas bien, tu vois, pas à l'aise, je fais oui, comme ça, pas à l'aise, je fais oui. Mais lui, quand je vous dis qu'il était totalement décomplexé, on avait l'impression qu'il avait Martine à la plage ou chez sa mère, je sais pas. Je voudrais vous rendre l'informatique pour les nuls. Et je voudrais vous l'échanger par l'informatique pour les archives. Ah, ça n'existe pas. Ah, ça s'arrête au nul. Ah ouais, donc ça s'adresse à une certaine élite alors. Hein. En même temps, il faut reconnaître qu'un beau bijou de la place Vendôme, hein, il faut reconnaître que nous les hommes, on n'est pas très à l'aise dans ce quartier. Hein. Vous avez remarqué, vous les femmes, on vous prend par la main comme ça et on active la commande. Traverser la cité des 4000 à la Courneuve. Il n'y a que nous les hommes pour les voir grosses les bailles.